that word. It's the veneration of Mary. Amen. C'est la vénération de Marie. But I sat back and I took a deep thought and I meditated. Mais je me suis assis et j'ai médité. And I came to a conclusion that Mary deserves honor. Et je suis venu à une conclusion que Marie a besoin, mérite cet honneur. Amen. Amen. Mary deserves honor. Marie mérite cet honneur. Amen. Amen. With our advanced understanding, we may not pray so that Mary helps transmit our prayers. Avec notre compréhension, on peut ne pas prier pour que Marie transmette nos prières. Amen. Amen. But she deserves honor. Mais elle mérite l'honneur. Because she was the first person. Parce qu'elle était la première personne. To carry the fullness of God within her. Pour apporter la plénitude de Dieu en elle. Are you in church? Est-ce que vous êtes à l'église? We are useful to God because we are carrying God. Nous sommes utiles à Dieu parce que nous portons Dieu. We are honored because we carry God. Nous sommes honorés parce que nous portons Dieu. Are you even getting what I'm saying? Est-ce que vous m'écoutez? So she was the first human being. Elle était la première être humain. To carry the fullness of God within her. Apporter la plénitude de Dieu en elle. So if we are looking for fathers and mothers of faith, she has to be amongst. Donc si on cherche les mères et les pères de la foi, elle doit faire partie de cela. Are you even still there? Est-ce que vous êtes encore là? And to the end of her life, she was among the women that accompanied Jesus to the cross. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait partie des femmes qui ont accompagné Jésus à la croix. Which means, qui veut dire, when Jesus breathed the Holy Ghost on his disciples, Mary was amongst. Quand Jésus a respiré le Saint-Esprit sur ses disciples, Marie était parmi. Possibly when the Holy Ghost came down in the upper room, Mary was amongst. Possiblement quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, Marie était là. So when we are honoring Papa Itahosa for the dimension of God he manifested. Donc quand nous honorons Papa Itahosa pour la dimension de Dieu qu'il portait, we might not have benefited from him his ministration directly. Peut-être qu'on n'a pas bénéficié de sa ministration directement. But his works had a contribution to what we are doing now. Mais sa parole a une contribution à ce que nous faisons maintenant. So we might not have benefited from Mary in the way we thought of benefiting. Donc peut-être qu'on n'a pas bénéficié de Marie comme on pensait bénéficier. But her works had a contribution to our Christianity. Mais ses paroles ont une contribution à notre chrétienté aujourd'hui. Are you even still there? Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Amen. I may not agree with a lot of things, but there are things that we will just condemn without understanding. Je peux ne pas être d'accord avec plusieurs choses, mais on condamne certaines choses qu'on ne comprend pas. Are you even still in church? Est-ce que vous êtes encore à l'église? I said this to prepare your spirit for what you're about to receive tonight. J'ai dit ceci pour préparer votre esprit pour la parole que vous devez recevoir ce soir. Because when you want to grow, parce que quand vous voulez grandir, the worst point to be is in the point where you are satisfied. Le pire point où vous pouvez être, c'est là au point où vous êtes satisfait. The moment you have come to the fullness of knowledge, au moment où vous êtes venu à la plénitude de la connaissance, there is time for you to start reducing. Il y a un moment pour que vous commencez à réduire. What Jesus expects of us is to be disciples. Ce que Jésus attend de nous, c'est d'être des disciples. Disciples are supposed to be students. Les disciples doivent être des étudiants. Am I even still talking to believers? Est-ce que je parle encore croyants? And according to our disciple nature, there's too much about God that we need to still learn. Et selon notre nature de disciple, il y a beaucoup à propos de Dieu que nous devons apprendre. And that's why when Jesus started speaking, pourquoi quand Jésus a commencé à parler, in what is popularly referred to as the Sermon on the Mount, sur ce qui a été appelé le sermon sur la montagne, his first recorded ministration, sa première ministration, he started with words that we might misunderstand. Il a commencé avec des paroles que nous pouvons mécomprendre. The first statement is blessed are the poor in spirit. La première phrase est béni sont les pauvres en esprit. Hear me now, child of God. Écoutez-moi, enfant the de Dieu. The moment you start growing in God, le moment où vous commencez à grandir en Dieu, the more you realize that you know nothing about God, le plus vous découvrez que vous ne connaissez rien à propos anybody de Dieu. Anybody that is self-sufficient in his knowledge of God is a baby. Toute personne qui est suffisant dans sa connaissance de Dieu est un bébé. Are you even still there? Est-ce que vous êtes encore là? When God starts using you in power, quand Dieu commence à t'utiliser dans la puissance, there is an unarguable dimension of boldness that comes upon you. Il y a une dimension de courage qui vient sur vous. And if you are not careful, it comes with pride. Si vous ne faites pas attention, ça va venir avec l'orgueil. Oh, somebody is not with me now. It comes with pride. But then God keeps
keeps using you. Mais Dieu continue à t'utiliser. When you keep getting closer to God, quand tu t'approches plus de Dieu, suddenly what you discover, tu découvres que, is that your level of consecration has to increase. Que ton niveau de consécration doit augmenter. Because you get to realize, parce que tu réalises, that God is honoring me. Que Dieu m'honore. If I don't get close to Him, et si je ne m'approche pas de lui plus, He may reduce in His manifestation. Il peut réduire dans sa manifestation. And I don't want to be embarrassed. Et je ne veux pas être embarrassé. And the only way I can be sure that He will do it is if I consult with Him before coming to the. Et la seule manière que peut être sûr qu'il va le faire, si je fais une consultation avec lui avant de venir. Am I even talking to believers? Est-ce que je parle aux croyants? Man of God felt that reducing. Il y a un moment.